Yeah boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est 3h du mat. Ouais, wallah al-adim qu'il est 3h du matin au moment où je... Oh putain, 3h03, si je fais ça. Tu vois là quelle heure il est? 3h03. Et je suis motivé pour vous faire une vidéo. Eh ouais, parce que je suis un gentil youtubeur. Il y a aussi des factures à payer, on va arrêter les conneries, enfin bref. D'ailleurs, en parlant de factures à payer, j'ai une chaîne musique, tu peux cliquer dans la description. Je fais des sons et je me donne à fond. T'as vu, je fais des rimes, c'est incroyable. Enfin bref, aujourd'hui, on est sur Max Payne 3. C'est un jeu qui est normalement triste, dépressif. Mais tu me connais, je vais foutre la merde. On va pas se concentrer sur l'histoire dans cette vidéo. Après, si tu veux que je te raconte l'histoire, tu démerdes. Non, en vrai, tu vas chercher sur internet, qu'est-ce que tu veux. Mais je sais que les gens, ils s'en foutent de l'histoire et c'est pas le but de la vidéo. Après, le but d'un jeu de base, c'est de se défouler, tu vois. Y a pas vraiment de but précis à part se défouler, divertissement. C'est comme de dire, ouais, ça sert à quoi tes vidéos? Bah ça sert à s'amuser, tu vois, ça sert à faire rire les gens. Après, on fait pas rire tout le monde, n'est-ce pas? Ah, on a trop tardé, je crois. On a beaucoup trop tardé. Et en fait, il y a la femme du patron qui s'est fait kidnapper. Et tout le jeu consiste en ça, en fait. C'est de retrouver la meuf. Est-ce qu'on la retrouve? C'est la question. On va se mettre des codes et on va les déglinguer, frère. Attends, déjà, je vais mettre invincible. Là, je suis invincible. Je vais jamais mourir, tu vois ce que je veux dire? Déjà, là, c'est un truc qui nous plaît. On peut se mettre des trucs... En mode Infinite Bullet Time. Wow, le Bullet Time, c'est le truc qui permet de faire des trucs au ralenti de BG. Et normalement, t'as pas ça à l'infini. Sauf que là, on a des trucs à l'infini. Donc ça, c'est bien. Tu vois, donc on peut faire de la merde. Tu sais ce que je veux dire? On peut vraiment faire de la merde. Regarde, tac, par, tu déglingues sa race. Tu vois, c'est ça qui est cool. Tu fais ça, tac, tu sautes. Comme ça, brim. Pam, dans ta gueule. Frère, ça, c'est le genre de jeu sur lequel j'ai passé des heures. Voilà, frère, là, j'ai un lance-roquette au calme. Y a un problème, là, vite fait. Ouais, attends. Prends n'importe quel. Voilà. Je crois qu'il a pas voulu. Hein. Ouais, du coup, en fait, tu vois ce que ça fait? Ça fait des bugs comme ça. Ça fait des bugs qui. qui sont un peu chelous. En fait, je peux plus me déplacer, si t'as compris. Je te jure, c'est un peu bizarre. Il y a des armes, ça passe pas du tout, en fait. Hein. Et je comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'on est au début du jeu. Mais ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait, en fait. Ça, je sais pas si ça a un rapport. Explosive rounds. C'est pas grave. Ça, c'est mieux. Ça fait des explosions. Oh là. Frère, j'ai pas besoin de RPG. J'ai pas besoin de RPG, la vérité, frère. Regarde, on va débarquer doucement. Doucement, on fait du sale, doucement, frère. Attends, du coup, là, en fait, on est vraiment censé faire les choses pas comme ça du tout. Mais du coup, voilà, tu vois, genre, c'est assez violent. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est assez... Regarde, ah, tu vois que le mec, c'est des vraies explosions, en fait. Et... en fait, tu vois, en direct... Comment il se déplace avec les explosions? Waouh! Saute au plafond, frère! Incroyable! Toi aussi, frère! Waouh! Saute au plafond! Incroyable! Allez, frérot! Tac! On va faire ça rapide! Normalement, c'est un truc ultra chiant! Mais. Ah merde! Ah merde! En fait, il y avait la meuf avec eux et j'ai. J'ai tout buté, en fait. Ok, c'est bon, là, il nous a posé l'hélicoptère, on va faire du sale. Tu sais qu'on va faire... Attends, je peux mettre invisible? Waouh! Est-ce qu'il me voit ou pas? Ah, il me voit, même si je suis invisible, d'accord. Ouais, c'est chelou, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou, mon frère. Ouais, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou, frère. Ouais, c'est un peu chelou, je te fais voler, frère. Je te fais voler, frérot! Il a fait quoi, là? What the... Il s'est passé quoi, bordel de merde? Comment j'ai fait? J'ai fait ça, comme ça? What the fuck? Sur la vie de qui vous voulez? Jamais de la vie? Je pensais que c'était possible, ça? Attends, je vais essayer de ramener des salauds ici, tu vois. Attends, je vais ramener un monsieur. What? C'est pas un monsieur, ça, c'est une madame. Elle m'a fait bugger, la connasse! J'ai mon bras à travers la demoiselle! What the fuck? Ah non, ça fait peur. Ça fait, on dirait Starfall, il est possédé, Max Payne. Ah, c'est une sorte de clochard, tu vois ce que je veux dire. Ok, là ça va être du sale. Ça en fait pas mal, hein. Ça en fait pas mal, mais t'inquiète même pas. Regarde, l'idéal c'est de faire ça. Wow. C'est pas mal en vrai, hein. C'est... Non? Tu trouves ça bien ou pas? Moi, je trouve ça pas mal. Ok, donc là, on est dans un niveau qui, en soi, est pas trop mal. Moi, je l'aime bien, celui-ci, tu vois. C'est assez différent, tu vois. C'est assez différent. On est dans l'eau, tu vois. Ouais, moi, ça aurait été mon rêve de pouvoir nager dans l'eau. Mais malheureusement,
Genre quand tu avances un peu, hein, tu peux pas avancer plus, d'accord. Mais ici il y a un mode no clip. No clip qui signifie en fait tu peux partir où tu veux en fait. Regarde là je suis en train de me déplacer, le joueur il est juste au-dessus de moi en fait. Enfin moi je suis au-dessus de moi en fait, t'as compris? Waouh, et je peux... Ah d'accord, c'est ça les coulisses. C'est pas drôle putain, ils m'ont pranké. Tu t'approches et il n'y a plus de décor. Mais c'est nul les mecs, pourquoi vous avez fait truc comme ça? Et là je suis en train de voir un peu... Oh non, je suis déçu. C'est d'une mocheté. Oh là là. Ils essayent de mettre des décors autour mais... Juste tu approches un peu des trucs là-bas, ça devient dégueu. Mais en soi, le jeu est bien foutu, je vais pas vous mentir. Les zones qui sont normalement faites pour jouer, elles sont bien foutues, tu vois. Après, oui, il y a toujours des coulisses à un jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est les coulisses. On n'est pas censé voir ça normalement. Je sais pas s'il y a la collision. Attends. Il y a la... Ah, il n'y a pas la collision et je suis tombé dans l'eau. Là, je vous jure, je découvre un truc parce que il y a le son du plouf. Regarde. Wow. Je kiffe en vrai. Moi, je pourrais faire toute la vidéo hein, comme ça. Regarde. Wow, je suis tombé juste là où il y a les grenouilles habituellement. Ouais, là, j'ai un peu niqué le game. Waouh. Ok. Non, on va... Waouh. Mais non. Dis wallah qu'il nage. C'est quoi ce putain de délire? En fait, je sais pas s'il nage ou bien juste s'il... Je crois qu'il marche en fait. Mais je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pour ça, pour moi, c'est un truc de fou en fait. Pourquoi ils nous ont pas laissé nager comme ça? Même si c'est pas très bien foutu, au moins tu nages dans l'eau. Il marche dans l'eau, je préfère ça en vrai. Tu vois, là, je préfère ça plus que plutôt rien. Ils m'ont trahi tout ce temps, frère. Ils m'ont trahi. Bah regarde, on peut le voir. On peut le voir, tu vois, vite fait. Tu vois ses jambes là, il est juste en train de marcher en fait. Ah, bande de bâtards. Ok, je vois le délire. Ah, ce niveau est grave bien. Et je vous jure que je voulais vous le montrer. En fait, je crois que c'est parmi les premiers qu'on joue. Et en gros, tu vois, ce mec, c'est le fils, le mec à droite là qui est en train de nous chercher. C'est le fils d'un gangster ou d'un mafioso, tu vois. Et à un moment, il nous a cherché et on lui a répondu salement, il a pas kiffé. Et du coup, son papa, il lui a ramené, je crois, des gangsters et tout. Et il va revenir avec ses potos, il va vouloir nous déglinguer. Sauf qu'on va lui mettre une balle dans la tête. Du coup, ouais, regarde, c'est ce qui se passe, tac. On le bute en fait. Sauf que c'était une balle explosive et que dans la cinématique il a pas explosé, mais bref, tu m'as compris. Je pense que c'est parce qu'il avait mal parlé à une femme. Ah, c'est pour ça. En fait, il a un respect énorme pour les femmes. Wallah, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que normalement, si je tuais les deux là, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Ça n'aurait pas de sens. Parce que de base, l'embrouille, c'est pour ça. C'est parce que je défendais la meuf. Elle se faisait taquiner par l'autre, mais d'une mauvaise manière, tu vois. Mais j'ai envie de vous montrer un truc stylé. Je vous jure, je vais vous montrer un truc stylé. Là, j'ai activé un mode qui fait que quand je les vise et j'appuie sur E, ils se rendent. Tout le monde se rend. Enfin, les personnes que tu vises se rendent. Et il va même poser son arme. Et ce qui est trop cool, c'est que je peux prendre son arme et le buter avec. C'est stylé, non? Arrête. Voilà, c'est stylé, je te jure, c'est stylé ça. Mais ça fait trop le mec respecté en fait, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc qui est pas mal. Là, c'est les gens qui m'ignorent en fait. Les gens m'ignorent totalement. C'est-à-dire que je peux venir derrière eux et leur viser des balles dans les fesses, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est bien. Regarde, même lui, il me vise, mais il va jamais me tirer dessus. Parce qu'il sait pas vraiment où je suis, tu vois ce que je veux dire. Il sait pas vraiment où je suis, ce bâtard. Je vous ai pas dit en fait, il y a un gravity gun. Regarde, c'est un truc comme ça. Tac. Pa. Tu balances les potes. Enfin, les bâtards, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ils meurent pas tout de suite, hein. Mais tu peux leur faire du sale. Tu vois, ça les balance. C'est plutôt cool, c'est original, je trouve. C'est original. Regarde, frérot, tu fais ça. Pa. Waouh. Pa. 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 Oh lolo, je te jure, j'ai visé les Clay Wiz. Je te jure, ça a visé les Clay Wiz. Incroyable. Regarde. Tu crois que je suis un mytho, moi? Il saigne des Clay Wiz. Waouh, là, ça marche, le RPG. Le RPG, ça marche maintenant. Tout à l'heure, ça marchait pas. On va faire du sale. Tac. Allez. Poum. Tu vois? Des trucs discretos. Discretos, tu vois? Ah, j'espère que j'ai pas buté mon poteau, wallah. Ah, ça va, il est encore là. Alors, je vais ramener des mecs, enfin, des sortes de gardes du corps qui, eux, vont me défendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les mecs, vous êtes prêts? On va y aller, hein. On va les défoncer, ok? Je pense qu'ils sont ok. Tirez-lui. Ouh, tirez-lui dessus. Wow, regarde, il tire dessus. C'est incroyable. Ils perdent même pas leur time, frère. Regarde, dès qu'ils vont viser les mecs là, ils vont leur tirer dessus. Tirez-leur dessus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, ils tirent sur qui, frère? Ils tirent sur qui? Ils tirent sur un mec là-bas, apparemment. Les mecs, tirez-leur dessus. Tirez-leur dessus, oui. Voilà, c'est bien. Lui là. Lui là, tirez-lui dessus.
Attends. Ils l'ont buté. Wallah, ils l'ont buté. Waouh, vous faites vraiment le taf. Et tu sais ce qui est marrant? C'est que là, on va trouver justement un clochard qui s'est suicidé. Parce que. Ah. Non. Qui s'est pas qui s'est suicidé, mais qui va se suicider. Du coup. C'est n'importe quoi. Cette cinématique est pas censée être comme ça, je vous le jure. Cette cinématique est pas censée être comme ça. Ce mec, il va juste. Il va se buter, je crois. Il va se brûler. Je sais plus ce qu'il va faire. Ah, voilà. Il va se sacrifier. Il va se sacrifier. Ah! Je crois qu'il avait mis une sorte de grenade. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, il avait mis une grenade. Et les mecs, ils continuent encore de me tirer dessus. Enfin, de tirer des roquettes. C'est n'importe quoi. Waouh, trop cool. Regarde ce que je vais faire. Tac. En fait, vu que le mec, il est mort, il est immobilisé. C'est trop bizarre. Normalement, je devrais pouvoir le balancer. Oh! Wesh! C'est trop chelou, Allah! Attends, je peux balancer mes poteaux là? Genre, je prends lui et je le mets dehors. Attends, 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 attends. Genre, j'ai envie de le voir en train de partir. Si j'ai envie de faire un truc comme ça. Waouh, c'est comme ça que je m'en débarrasse. Frère, voilà. Ils m'ont cassé les couilles. Je vais m'en débarrasser. Voilà, frérot. Attends, viens là. Voilà, merci. Si vous voulez rigoler un peu, regardez ça. Pip! En plus, il reste avec la main comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais moi, je trouve ça marrant. Waouh, comment je suis tombé, c'est incroyable. Voilà, il était immobilisé, frère, regarde. Il faisait, regarde, à un moment, il faisait ça. Tac, il court. Bah, immobilisé. Zombie générateur. Ah, ça fait peur, ça. Ça ramène des zombies. Ça ramène des zombies, en fait. Attends, on va essayer ça, là. Ah, voilà où j'avais envie de partir, bordel de merde. Et là, je pense que ça pourra le faire. Hein. Là, je pense qu'on pourra conduire des trucs un peu comme on veut. Tu vois, attends, on va essayer, là. Ça risque d'être assez exclusif, ce que vous allez voir. Je vais pas vous mentir. Hein. Ouais, ramène une caisse au-dessus, là. Ouais, c'est pas mal, là. Ouais, c'est bien, là. Ouais, il y a pas mal de caisses, bordel, ouais. Parce que j'arrive pas à conduire. Ah ouais, bah là, ça a craché, forcément. Peut-être avec un... Oh non! C'était la manette que je devais prendre. Donc avec la manette, c'est possible. Non. C'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Est-ce qu'il y a de la collision? Oh, il y a de la collision. Mais c'est incroyable, ça, mère. Ça veut dire que j'aurais pu conduire des hélicos, carrément? Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire? Waouh! Je vous promets, c'est un truc... Ah, je crois que le jeu, il a crash, en fait. Là, on va essayer de prendre un hélicoptère. Voilà, un truc comme ça. Tu vas là. Vas-y. Non, tu vas pas me dire qu'on peut le faire. Mais c'est assez ouf. C'est assez ouf, bordel de merde. Mais là, je suis très sérieux. Là, c'est du jamais vu. J'ai jamais fait ça. Et on peut pivoter. Voilà, je me croirais dans un GTA, tu vois. Mais en même temps, ça m'étonne pas, vu que tu vois, c'est fait par exactement les mêmes personnes qui ont créé les trucs, tu vois, le jeu. Donc ça, c'est assez ouf. C'est assez... Attends. Je vais essayer de le truc et je vais ramener, dans ce cas, un avion. Dis-moi, s'il te plaît, qu'on peut décoller sa mère. Ça serait vraiment une grosse exclue, sa mère. Une putain d'exclue. Donc s'il te plaît, montre-moi qu'on pourrait décoller. Montre-moi qu'on peut décoller sa mère. Montre-moi qu'on peut décoller comment. Juste dis-moi comment on fait, frère. Je m'y connais pas de ouf. What? On peut changer de vue et tout. Comme dans GTA, presque. Waouh. Tu reconnais pas? Arrête. Tu peux pas faire le mytho. Tu peux pas me dire que c'est pas un peu les mêmes caméras, le même... Putain, mais c'est un truc de ouf. C'est... Ah, par contre, je suis sorti, en fait. D'accord. Ah, oui, ok. Parce que là, j'ai fait Y et je suis sorti, en fait. C'est ridicule. J'en reviens pas, en fait, ce qu'on vient de faire. Donc moi, sincèrement, je peux finir la vidéo sur ça. Ça fait 2 heures que je poirote juste pour essayer de vous montrer des trucs comme ça. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où j'essaie de faire n'importe quoi sur des jeux et vous montrer des choses inédites, moi, je veux bien, y'a pas de soucis. Mettez un petit like qui fait vraiment plaisir et partagez parce que, wallah al-adim, que c'est chaud à faire. Je te jure, on dirait pas, mais vas-y, ça ferait plaisir, frère. C'est gratos, frère, vas-y. Fais pas ton crevard. Bref, prenez soin de vous, j'ai appris une vidéo. Peace. Hello.